Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de FIFA 13 avec le pronostic Ligue 1 opposant Valenciennes et Lorient, et puis aussi tout le multiplex Valenciennes-Lorient étant juste le match fil rouge entre en fait la plus grosse affiche de ce samedi soir. Voilà, et bah écoutez, on va bientôt passer au match. Mais avant tout, je vais vous proposer le résumé de Paris Saint-Germain-Reims qui s'est déroulé à 17h. Il s'agit du pronostic également. Et en fait, je vous le mets comme si vous étiez avec moi en direct, dans les conditions du direct. Allez, bonne vision. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le multiplex. Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour le match pronostic de FIFA 13 Ligue 1 avec au programme de ce samedi après-midi à 17h l'affiche entre PSG et le Stade de Reims. Et c'est une grande affiche entre deux clubs qui commencent bien ce début de saison avec Reims, le promu, qui est 6e. Avec 14 points en 8 matchs, et Paris avec son ambassadeur Ibrahimovic qui a 16 points. Donc Reims pourrait même dépasser Paris en cas de victoire. Et donc il n'y a que 2 points d'écart. C'est très serré entre deux clubs, entre le Paris Saint-Germain, oui, qu'on prétendait dans le haut du tableau, mais cette équipe de Reims qui est la surprise de ce début de championnat. Allez, on va choisir le côté où les joueurs vont jouer, qui va engager, voilà. Le fair play toujours. Et là, on va jouer bientôt, dans quelques instants, avec une composition parisienne, avec une défense qui est un peu modifiée, avec Armand et Sacco. Et puis une attaque plutôt classique avec Ibrahimovic, Menez et Westover. Et du côté de Reims, on ne change pas les habitudes qui gagnent, mis à part Diego qui va apporter tout ce qu'il peut pour les Rémois. Allez, c'est les Rémois qui vont engager avec Courtais et Diego. Le début de match. Louvain. Avec Aïté. Aïté de la capitale. Sissoko avec Matuidi. C'est Bitué. Jallet. Menez. La frappe et l'arrêt. Mais quel arrêt du gardien Rémois. Et ça sera un corner. Tiré par Pastore, c'est parti, la tête d'Ivoire, peut-être, Sissoko, la frappe, encore l'arrêt. Encore l'arrêt. Bon. Allez, Armand, qui est habitué avec Maxwell. Armand, centre, Armand vers Menez. Et ça passe en dessus. Sissoko, Matuidi, Menez. Pastore, Maxwell. Combat au 8 dans la surface pour Menez, la frappe, ça passe à côté. Voilà, prenant du côté de Reims. Allez, Armand, Maxwell, Ibrahimovic, il va frapper, c'est contré, attention. Le Bar qui va dégager, loin devant, mais c'est récupéré. Avec Ibrahimovic, Menez dans la surface, Menez la frappe, c'est au-dessus. Et je crois que ça. Non, avec Courtrai, Diego. Diego dans la surface, Diego toujours. Diego. Oh! Il aurait pu avoir un pénalty, parce qu'il était bien tiré le maillot. Mais attention, ça repart 0-0 entre les deux équipes. Allez, dans la profondeur, Jallet qui va centrer. C'est dégagé, attention, Pastore, Ibrahimovic, la frappe est lue. L'ouverture du score à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Ibrahimovic qui délivre les Parisiens. Avec une belle récupération de Pastore.
et qui lance tout de suite Ibrahimovic. Et oui, il l'a vu, il n'a plus qu'à ajuster dans le petit filet. Agassa, soirée qu'il a eu. Allez, de vos corners. C'est parti, la tête. Ouh, attention, c'est dégagé, ça va revenir avec Diego. Non. Normalement, qui peut peut-être centrer. Oui, attention à la tête, peut-être. C'est Pastore finalement qui saisit du ballon, Ibrahimovic. Attention avec Pastore, la frappe et la parade. La parade d'Agassa, alors qu'il n'y aura que 2 minutes de temps additionnel. Et oui, on voit 5 arrêts pour Agassa. Attention, le centre, c'est parti. C'est dégagé, enfin. Krikoviak, Courté. Attention, il y a peut-être une occasion là dans la surface, Courté. Courté, il est un peu isolé. Il va trouver du soutien. Véralité, Krikoviak, Perka, Devo, le centre, la reprise. Oh, la barre transversale. Attention. Et l'arrêt de Sirigu. Oh là là, quelle dernière occasion avec cette reprise acrobatique sur la barre transversale. Et Sirigu qui était battu. Oh là là, on en reste là. Dans cette première mi-temps, mais le PSG a vraiment eu chaud, puisque les Rémois ne déméritent pas. Oh oui, quand même que le PSG domine au nombre de tirs, et puis Agassa a sauvé vraiment la défense rémoise d'un deuxième but, voire d'un troisième. Et la possession est néanmoins côté rémoise, avec 57%, et il faudra se méfier de ces Rémois qui ne déméritent pas du tout et qui ne doivent pas rougir de cette première mi-temps. Allez, on va commencer, c'est la deuxième mi-temps, sans plus attendre. Et il n'y aura aucun changement. Astorey, centre, premier poteau, et il y aura un coup franc puisque ce centre a été dévié de la main. Changement côté Rémois, et attention, le coup franc d'Ibrahimovic. C'est parti, le centre, la tête peut-être. Non, ça va revenir. Ça s'est dégagé par les Rémois. Et le contre. Et le dégagement de Rémois. Que ça va récupérer avec Maxwell. Matuidi, Menez avec Pastore. Attention, Armand dans la surface. Il va s'arracher, il va centrer. La tête. Oh, la parade. Oh, quelle parade. Mais c'est pas fini ici, le dégagement Rémois. Ibrahimovic, attention, Ibrahimovic, il va frapper, ça passe à côté, le beau contrôle, Néné, Pastore dans la surface, la frappe, oh, la parade encore, quelle parade de Gassa, et oui, justement, ils sont en face, j'allais, Matuidi, Néné, dans la surface, Néné, attention, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, reviens vers Ibrahimovic, le centre, attention la tête, elle est au-dessus, et pénalty. Pénalty en faveur du Paris Saint-Germain, et qui demande qu'est-ce qu'il y a comme faute, et on a du mal à savoir ce qu'il y a eu. En tout cas, c'est un pénalty pour Ibrahimovic, pour doubler la mise, et c'est parti, c'est le but. En pleine lucarne, le 2-0, Ibrahimovic, qui met le deuxième but, en pleine lucarne, ah ouais, en force. Alors que Agassa était encore parti du bon côté. Ah ouais, c'est pas grand chose. Assez dommage hein, pour les Rémois. Parce que ils avaient bien tenu. Et Matuidi, attention, il y a peut-être une bonne opportunité. Il y a un 4 contre 4. Rabiot avec Pastore. Pastore vers Rabiot, oh là là, il arrête. Encore d'Agassa, c'est dégagé. En touche. Allez, Néné dans la surface. Reviens vers Pastore. Avec Rabiot dans la surface. Il a peut-être frappé. Oh, c'est à côté. Et ça sera la fin du match. Victoire du PSG 2-0 avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Décidément, Zlatan qui zlatanise bien ses adversaires. Voilà. Résumé de Paris est fini. Paris face à Reims est fini, pardon. Et on va pouvoir se concentrer au match de Valenciennes-Lorient, ainsi que le multiplex intégral.
On voit les compositions des deux équipes avec un 4-4-2 côté Lorientais qui a bien réussi face à Lyon avec un match nul 1 partout. Et côté Valenciennois, non, on n'a pas vu une équipe qui va être aussi offensive et qui réussit très bien dans ce début de saison. Allez, ils vont engager le Valenciennois avec le Talek, Gomis, le Talek. Et peut-être la première incursion, non, c'est bien récupéré. De terre. Très bien joué face à Lyon. On va aller du côté de Rennes. Rennes-Montpellier. 0-0 après 3 minutes de jeu. On va voir ce que ce match va donner. On va aller du côté d'Evian maintenant. Evian-Toulouse. 4 minutes de jeu. Toujours 0-0. Evian qui reste sur une victoire face à Montpellier et qui joue très bien. On va aller du côté de Nice, Nice-Saint-Etienne, 0-0 toujours. Après 6 minutes de jeu, allez, peut-être l'incursion. Ah, but! But à Nancy, on va le revoir avec Contou dans la surface qui frappe et le but, voilà. Dès la 6ème minute, Rémi ou Romain Cantou, je ne sais plus. Marque pour Sochaux, 1-0. Et oui, Sochaux qui débute bien dans cette première période. Et Nancy qui s'enfonce après son 4-0 encaissé face à Saint-Étienne. Et ben voilà, 1-0 pour Sochaux. On va aller du côté de Valenciennes, Valenciennes-Lorient. Toujours 0-0 avec peut-être une occasion pour les Lorientais de se récupérer. Avec Romao Sanchez, et non, finalement c'est intercepté. Aliadère, ça récupère Gomis du Courtillou, ça récupère avec Latois, Traoré, Cornier. Monnaie paquet. Ah, but à Evian. On va le revoir avec Aurier qui passe pour Sagbo. Et Sagbo qui marque. Petit 1-2 entre les deux joueurs. Très beau. Et ça fait 1-0 pour Evian Tonon Gaillard. Voilà, je ne me souviens plus le sigle. Comment ça s'appelait. Ensuite, nous allons du côté de Rennes. Toujours 0-0. Belanda qui a le ballon pour Charbonnier, c'est dégagé, ça va revenir avec Camara, Mounier, Charbonnier, attention il va frapper, c'est trop écrasé et c'est arrêté par Costil. On va du côté de Saint-Etienne, enfin de Nice, Saint-Etienne, une incursion niçoise, pardon, qui tombe à l'eau, mais attention la récupération avec pied, Meriem, Digard, pied, et finalement on va aller du côté de Nancy. Nancy-Sochaux et les Sochaliens qui posent bien leur jeu et les Nancyens qui commencent à réagir peu à peu. On va voir ce que ça va donner. But à Nice, on va y revenir tout de suite. Voilà, avec c'est juste après qu'on s'est quitté. Aubameyang qui transmet à Coad, Coad vers Aubameyang dans la surface. Aubameyang qui tire, bel arrêt du gardien, c'est repris, la barre et la tête de Gradel qui vient marquer au quart d'heure de jeu. 1-0 pour Saint-Etienne face à Nice. Saint-Etienne qui confirme pour l'instant les bons résultats, hein. Bon, on n'a qu'à qu'un quart d'heure de jeu et là avec un peu de chance de réussite. C'est Gradel qui met de la tête le but. Voilà. On va filer du côté de Rennes. Avec une touche en faveur des Rennais.
Saint-Brie, Danzé, finalement ça sera en couche. Ouais. C'est un peu bizarre. On va aller du côté des Vians. Ensuite, oulala, avec l'arrêt de Postil. Du côté des Vians. Toujours 0-0 au quart d'heure de jeu. Dido avec Yalo. Pour Rivière dans la profondeur. Attention, oulala, le gardien qui sort. C'était dangereux. Sorlin avec Berrio. Ouas, ça a récupéré par les Toulousains. Il va falloir qu'ils réagissent quand même, hein, les Toulousains. On va aller ensuite du côté de Valenciennes. Juste après cette occasion, peut-être. Tabanou, Akpo, Tabanou dans la surface. Il a voulu frapper, elle s'est loupée. On va aller du côté de Valenciennes. Toujours 0-0. Avec des Valenciennois qui font jeu égal avec les Lorientais pour l'instant dans ce début de match. Des occasions un peu des deux côtés. Là on va voir les Lorientais qui vont se relancer. Non, finalement c'est perdu. Gomis, Sanchez, Motalek. Attention. Peut-être centré donc vers le Talek. Alors, finalement, ça va revenir du côté de Lorient avec Aladier pour Romao. C'est récupéré le Talek. Sanchez qui donne dans la profondeur. Attention, ou la sortie du gardien. Et on va aller du côté de Nancy. Nancy Sochaux. Oui, 21 minutes avec. Les Sochaliens qui imposent vraiment leur domination avec encore une frappe à côté de Traoré, mais une occasion de plus pour les Sochaliens. Et les Nancéens n'arrivent vraiment pas à faire jeu égal avec leurs adversaires. On va peut-être voir sur cette occasion avec Bacaz. Donc finalement, ça va revenir du côté de Sochaux. Ouais. Oh, la passe qui est loupée. On va aller du coup du côté de Rennes. Rennes-Montpellier. Avec Camara. Toujours 0-0. 24 minutes de jeu. Camara. Mounier. Attention, il y a peut-être une occasion. Oh, pour Charbonnier. Et c'est bien capté par Postil. On va du côté de Nice. Nice-Saint-Etienne. Avec un centre. Ça va revenir pour Aubameyang, Lemoine. Le moine toujours. La frappe, elle est contrée. Et il s'est peut-être blessé. On n'a pas bien vu. Oui, il s'est blessé. Et oui, Philippe Lemoine qui se blesse. Et qui va être remplacé par Guy Lavogui. Bon, on va aller du côté des Vians pour voir si les. Toulousains, j'ai eu un bug dans mon cerveau. Si les Toulousains réagissent dans ce match avec Sorlin, Sagbo, non, finalement c'est récupéré. Allez, Jarolim, Tabanou qui lance Rivière dans la profondeur. Rivière, il y a peut-être une occasion. Peut-être centré, non, il revient vers Dido. Avec Diallo. Diallo toujours. Diallo, il va frapper. Oh, l'arrêt. Et attention, Tabanou. Oh, ça passe à côté. On va aller du côté de Valenciennes-Lorient. Oui, 28 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Romao à la balle avec Monet Paquet et Traoré. Romao. Traoré. Ce sera une touche et c'est récupéré par Valenciennes. Nietzsche, Sanchez, attention, Jouffre pour les Lorientais avec Monet Paquet dans la surface. La frappe, oh, la parade est là-bas et le poteau. C'était le poteau, c'était pas la barre, c'était le poteau. Oh là là, quelle grosse occasion pour Lorient dans ce match et Valenciennes qui vont peut-être réagir. Voilà. Avec un centre, il y a position d'hors-jeu.
On va aller du côté de. Oui, il était bien en jeu. On va aller du côté de Nancy. Nancy Sochaux. Toujours 0-0. Et les Nancyens, ça y est, qui se réveillent et qui vont vers l'attaque avec Bakar. Bakar dans la profondeur. Mokanji, il y a peut-être une occasion. Le centre. Attention, il y a Moulo. La reprise de la bulle. Oh, l'égalisation. L'égalisation de Yanis Molo. Yannick Molo, pardon. Oh là, quel but! Et oui, sur ce centre, la reprise en demi-volée dans le petit filet. Et voilà, égalisation. On va aller du côté de Nice. Nice Saint-Étienne. Et oui, et les Niçois qui veulent vraiment égaliser, mais qui n'y parviennent pas. Et une défense Stéphanos qui est bien présente encore. Même si là, il y a peut-être une occasion avec Traoré. Attention. Moutéac, Tigar, ouais, on fait un peu de du handball, on n'arrive pas si pied, peut-être la frappe qui passera au-dessus et à côté du but de Ruffier qui n'a pas été vraiment bien inquiété dans ce match. On va retourner du côté d'Evian, Evian Toulouse. Oui, alors qu'il y a un coup franc. Sur cette faute de Diallo, voilà, on le voit bien, et qui a pris même un avertissement et coup franc pour Mensa. Et là, il y a encore une faute, décidément, les esprits s'agitent, et c'est Aban Danour qui va pouvoir dégager les siens. 33 minutes de jeu, toujours 1-0 avec ce but de Sagbo à la 11e minute. Allez, peut-être une occasion, Sagbo avec Was, Sorlin, non, finalement c'est perdu. Et les Toulousains qui vont peut-être réagir avec Akpo, c'est bien donné pour Diallo, ah dommage, c'est perdu. Et c'est récupéré par du coup les Evientais. Sagbo. Allez, il récupère, voilà, Jarod Lim. Fait tourner tranquillement, on n'est pas pressé, on mène. Et il y a peut-être une occasion là avec Kabou. Sagbo. Sorlin. Pour Berigo. Attention dans la surface. Le centre. Ouh là là, c'est dégagé. Ouh là 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 là. C'est... On va aller du côté de Rennes. Avec une occasion. Avec Pitropa. Pitropa qui est bien lancé dans la surface. Il va revenir avec Alessandrini. Pour Pitropa dans la surface, la passe pour Erding. La frappe, elle passera à côté. Début de Pionnier. Et oui, c'est Pionnier dans le but à la place de Geoffrey Jourdain qui est blessé. Et les Rennais qui accentuent dans ce début de match. Enfin, fin de première mi-temps, bientôt maintenant. Avec Diallo, allez, il va peut-être trouver une solution. Voilà, dans la surface avec Erding. Erding toujours. Alors que Canabic, ah, je vais y arriver, s'est blessé. On va voir si s'il va sortir ou pas. Apparemment, c'est pas trop grave. Bon, on va aller du côté avec cette frappe. Oh, belle frappe. Sera à côté, on va aller du côté de Nice avec un coup franc pour les Stéphanois. Non, c'est une combinaison vers Aubameyang qui frappe, c'est au-dessus, largement au-dessus. On va aller du côté de Valenciennes avant ces 5 dernières minutes. Oui, avec des Lorientais qui donnent le jeu. Vers l'avant avec Traoré, Mané Paquet, Romao. Et les espaces ont du mal à se connaître des deux côtés. Hein. Match un peu fermé. Bon, il y a eu quelques occasions hein, quand même. On verra si. Attention, la frappe de Mané Paquet, l'arrêt du gardien Lorienté. En tout cas, il y a des occasions. On va aller du côté de Nancy.
Avec une frappe peut-être. Non, c'est récupéré. Allez, peut-être la dernière occasion sur Chalienne. Oh, but! But à Nice! On va le voir. Oui, avec Aubameyang. Et oui, qui centre pour Mouma. Et très beau but. Avec un très beau service de Aubameyang, pardon, vers Mouma. Qui marque. Et vraiment au meilleur moment possible, juste avant la mi-temps, pour Saint-Étienne. Et ils font le break 2 à 0 en faveur des Stéphanois avec cette belle reprise. Mi-temps à Évian. Donc on va aller du côté de Valenciennes. Non, on va pas y aller puisque il y a peut-être une occasion du côté. Du côté de Nice, non. C'est les Stéphanois qui ont la balle. Non, alors, on a des problèmes de communication avec Valenciennes. Du coup, on va rester jusqu'à la fin de cette... Attention, la frappe! Ouh là là! Quelle belle frappe qui passe à côté des Stéphanois. Oui, donc, je disais, on va rester à Nice, puisqu'il y a mi-temps dans tous les stades, et qu'à Valenciennes, on n'a toujours pas l'image. Donc on va rester pour cette première mi-temps. Et que d'occasion avec Guy Lavogui. Non, finalement, c'est Clément qui récupère. Et c'est la mi-temps. Mi-temps. Et ben 2-0 déjà pour Saint-Étienne. Voilà, c'est bon. On a eu les images de Valenciennes. Et donc, à la mi-temps, on se pose sur notre match fil rouge de Valenciennes-Lorient. Où on voit un seul tir côté valenciennois. Et 6 du côté l'orienté. Et Julie qui va rentrer à la place de Monet Paquet qui a fait une bonne première mi-temps quand même. Hein. Mais qui a manqué devant le but. Allez, on va voir ce que va donner cette seconde période. Il faut des buts. On en veut. Allez, peut-être là les Valenciennois avec le Talek. De Séville, Kadir, Sanchez, la frappe, elle est contrée, ce sera un corner. On va suivre le corner et on ira après du côté des biens. Allez, le corner, Gilles peut-être de la tête, le dégagement. Et ça va récupérer côté valenciennois, mais on va du côté des biens, pardon. Où ça a débuté depuis 4 minutes. Et Vian qui pousse avec cette frappe qui passe à côté. Ouh là là, on va aller du côté de Rennes. Rennes-Montpellier. Ça a débuté depuis 5 minutes. Avec une frappe déjà qui passe juste à côté. Ouh là là, les Montpellierains, on va aller du côté ensuite de Nice. Avec Digard, Sinivatic. 5 minutes après cette première période. Et peut-être une occasion, Sinivatic. Frappe trop écrasée pour inquiéter Ruffier. Et le dégagement. Allez, ça va récupérer quand même. Côté niçois. Pied. Côté hack. Pour Meriem. Attention dans la surface. Meriem, il se retourne. Il centre. Finalement, c'est dégagé. Et le contre peut-être pour Saint-Étienne. Où c'est bien fait ça. Donc très bien fait. On va voir s'il peut centrer. Oh là là, ça passe à côté. Et le dégagement. Et penalty. Penalty à Valenciennes. Voilà, on y vient. Penalty à Valenciennes. On va revoir. Non, on va pas revoir l'action, mais on va voir le penalty. Attention. C'est parti. Et c'est dedans. Le Talek qui ouvre le score du côté de Valenciennes. Premier but de cette rencontre avec un pénalty très bien tiré d'Anthony Le Talec. Voilà, et pourtant Audard était parti du bon côté, et vraiment là c'est imparable. On va aller voir du coup la réaction lorientaire.
Oh là, une frappe qui ne sert totalement à rien. Il va s'en excuser, Romao, je pense. Allez, on va aller du côté de Nancy, où ça a repris, bien sûr, depuis une dizaine de minutes, avec ce score d'un partout et des images qui sont toujours moyennes. Nous sommes désolés pour cette connexion. Allez, Mukanjo, pardon. Un bon mouvement. Oh, but à Valenciennes. But, on va le suivre tout de suite. C'est but pour Lorient avec Aliader qui se balade. Aliader dans la surface, Aliader qui frappe. Et le but, voilà. L'égalisation d'Aliader à la 58e minute, pardon. Peu de temps après l'ouverture du score de Valenciennes. Voilà, on revoit ce but bien exploité. Et là, les Valenciennois qui repartent tout de suite de l'avant, hein, avec Bong. Le centre pour Danić, bien sûr. Allez, il est orienté avec Julie. Julie toujours, Traoré. Allez, on avance du côté l'orienté. Romao toujours avec de la réussite. Attention, peut-être une frappe. Non, c'est contré, c'est intercepté par Pento sans problème. On va aller du côté déviant. Avec Bérigo pour Sagbo à l'entrée de la surface, la frappe et l'arrêt d'Amada. Amada qui a fait plusieurs arrêts pour sauver les Toulousains, pardon. Décidément, j'ai du mal avec ce mot Toulousain. Les Toulousains d'une sévère défaite, puisque je vous rappelle, ils sont menés 1-0 et on est un peu après l'heure de jeu. Allez, encore peut-être une action pour cette équipe d'Évian. Allez, on fait bien tourner, on va rentrer dans la surface, le centre, oh la reprise qui passe à côté. On va aller du côté de Nancy. Nancy Sochaux, avec un dégagement du gardien sochalien. Et Molo qui continue, Molo qui persiste, Molo dans la surface, Molo avec Sané. C'est retourné. Eh oui, mais il trouve pas de solution, du coup on revient vers l'arrière avec Grange. Puis Grenier. Molo. Bakar à la frappe qui ne donne rien du tout. Il s'en excuse même. On va aller ensuite du côté de Rennes-Montpellier. Avec peut-être, on va suivre d'abord cette occasion pour Sochaux. Non, finalement, on va aller du côté de Rennes. On va y aller. Voilà, avec Montano. Puis trois pas. Et Rennes qui accentue dans ce match l'attaque. À l'image de Makoun. Avec puis trois pas. Puis trois pas, il va trouver une solution peut-être. La frappe, elle passe à côté. Oh là là. On va aller du côté de Nice. Nice-Saint-Étienne. Oui, il reste encore un quart d'heure à Nice et Nice toujours mené 2 à 0. Et Pied qui veut réagir avec ce centre, la tête qui passera à côté. Et qu'est-ce que ce sera? Ce sera un corner, on va le suivre. On va suivre le corner. Allez, la tête! Ouh, elle passe au-dessus. Grosse occasion pour les Niçois de revenir. Ça aurait été déjà bien de revenir à un but. On va aller du côté d'Évian avec un changement et la sortie du numéro 9 Bérigo et l'entrée de Bunier peut-être, je ne connais pas, numéro 10 de Évian. Rentrer dans les 10 dernières minutes de ce match et en même temps du multiplex, je pense. Malheureusement, ça passe très vite. Attention, Bunier qui lance Sagbo. Sagbo.
il s'écroule et il n'y aura pas de faute. Et c'est attention à Sagbo, Kanu dans la surface, le centre, la reprise peut-être, oh là là. Les occasions, attention. Ça va revenir, non. Et finalement, le contre du côté de Toulouse. Allez, avec Rivière qui est bien lancé. Rivière dans la surface. Rivière, il va frapper. Oh, c'est à côté, oh là 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 là. Oh là là, Rivière qui aurait eu l'occasion de revenir pour Toulouse. Eh ben non, c'est raté. Et le dégagement. Amada. Ah non, c'est pas Amada. Je me suis trompé. Oh, but! But à Rennes! On va le suivre. Et oui, avec Pitropa vers Montano qui a frappé. C'est dégagé. Récupéré par Danzé. Pitropa. Puis Mvila qui donne à Diallo. Et Makoun qui se balade et qui frappe dans le petit filet. Imparable pour Pionnier, le pauvre qui débute en Ligue 1. Et c'est Makoun, l'ancien Lyonnais, qui donne l'avantage à Rennes à 5 minutes du terme de ce match. Oh, quelle bonne idée de marquer dans ces dernières minutes. Et du coup, Montpellier qui était 15e, et là, ils vont descendre encore plus. Il y a peut-être une réaction. Allez, peut-être avec le centre, et non, c'est récupéré. Et on va aller du côté de Nancy. Non, de Saint-Etienne d'abord, avec une tête de Meriem qui passera au-dessus. Au-dessus des buts de Ruffier. Ruffier qui commence à se mettre, à être mis en danger. Mais c'est que maintenant, avant, il n'a pas eu trop de soucis. Allez, on fait tourner Guy Lavogui. Il a Vogui, il va trouver une solution vers Aubameyang. Oh, but! But à Nancy! Attention, on va suivre quand même cette occasion avec Aubameyang pour un moment. Attention, la frappe! Eh ben, c'est à côté. Bon, on va voir le but à Nancy. C'est but, ben, pour Nancy, justement. Avec Sané dans la surface, la frappe et le but! Le but de Sané. Oh là là, ça fait du bien pour les Nancyens qui restaient sur cette lourde défaite 4-0 contre Saint-Etienne. Et là, qui pour l'instant, prennent les 3 points à Marcel Picot. C'est parfait pour les Nancéens. Mais attention, il reste 2 minutes. On va peut-être suivre cette fin de match avec les Sochaliens qui veulent peut-être réagir. Oui, tout de suite. Ils se mettent vers l'avant avec Puy-Grenier. Non, Puy-Grenier, c'est Nancy. Banana. Bout de bouse. Banana, toujours, Contour. Attention, Camara, c'est peut-être la dernière occasion. Oh, l'arrêt. Attention, c'est pas fini, la reprise, c'est dégagé. Alors qu'il y aura que 2 minutes de temps additionnel. Ah, j'ai bien peur que ça ne suffit pas pour les Sochaliens. Allez, si peut-être, avec Dubaï, bout de bouse. Roudé, attention, Roudé toujours. Allez, c'est la dernière, là, c'est la dernière, Roudé. Allez, il veut peut-être passer. Aïe, 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 c'est dégagé. Ah, ça sera fini. Non, c'est pas fini. Attention, avec Dubaï. Dubaï, la frappe. Et le but. Et le but. L'égalisation. Égalisation sur Chalène. Mais quel match de fou. Alors qu'à 2 minutes de la fin, on pensait que c'était la victoire nancéenne après ce but nancéen de Sané. Et là, c'est Dubaï à la 92e qui vient égalisé pour Sochaux. Oh là là, mais quel match, quelle fin de match incroyable. Attention, c'est peut-être pas fini avec Moukandjo. Attention, Sané toujours avec Grange, Bakar. Sané toujours, Molo et Grange. Et la frappe. Oh, l'arrêt. Quel arrêt du gardien sochalien, et c'est dégagé, c'est fini à Nancy. On va aller côté de Valenciennes-Lorient. Fini à Nice, victoire 2-0 des Stéphanois. C'est fini à Evian également, victoire 1-0 d'Evian, et ainsi qu'à Rennes. Allez, la frappe, elle est contrée, ça sera un corner. Corner
peut-être là, l'une des dernières chances pour les l'orienter, pour mettre la victoire, la tête, pour avoir la victoire, pardon, la tête, le dégagement, et qu'est-ce que c'est? C'est la fin du match sur le partage des points, un partout, avec un point chacun entre Valenciennes et Lorient. Et ben, on a vu un très beau match de football, hein. Enfin, même un très beau multiplex, hein, des deux côtés. Là, on va revoir des occasions du côté de ce match fil rouge. Et j'ai eu des plaisirs à vous commenter ce multiplex. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires les conseils que vous pouvez m'apporter pour que, tout simplement, que mes vidéos soient mieux. Voilà. Je précise des commentaires constructifs, c'est-à-dire pas me dire c'est nul, c'est, voilà, sans rien argumenter avec, voilà. Et ben voilà, on va bientôt se quitter sur ce match nul de Valenciennes. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter comme je vous le dis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très prochainement, ce sera demain, pour le match de 14h, de 17h, résumé, comme s'ils étaient en direct, voilà, comme pour le match de Paris face à Reims, et puis à 21h, le match intégral entre Troyes et Marseille, voilà. Et ben, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve demain. Allez, salut à tous!